Et bonjour à vous Level Down, bonjour à vous la Web TV et bonjour à vous sur YouTube. Oui, je suis en train de rigoler par rapport à ce qu'on met dans le chat. J'espère en tout cas que vous allez bien, nous sommes ensemble en ce mercredi 26, 27, j'ai un doute. Je vais vous dire ça tout de suite, 27 avril 2016 de 14h à 16h. Pour, eh bien, les deux DLC qui sont présents de la suite de Final Fantasy XIII 2. J'espère que vous allez bien les amis. Moi, en tout cas, j'ai la super pêche, je me suis couché de bonne heure hier soir, ça m'a fait du bien, ça faisait longtemps. Franchement, genre à 11h30, j'étais couché. Pour une fois, hein, faut avouer, je me suis couché peut-être 2-3 heures avant, je me suis pas levé du tout tard, j'ai pu faire plein de choses ce matin. Je suis constant satisfaction de ma journée. Je dis bonjour à toutes les personnes présentes dans le chat. À savoir, bonjour à Turbo Kekette, bonjour à Pioc, bonjour à O2H, il doit sûrement y avoir Jeff. 27. Bonjour à Stike, je sais pas, dès que je le cherche son pseudo. Ok les amis, bon, on espère que vous allez bien en tout cas, vous avez passé une bonne journée sur la Web TV. Vous avez le planning juste en dessous, et eh bien, pour les différents horaires. On se retrouvera pour un superbe LDJV Actu ce soir à 20h, je vous le rappelle, en compagnie de Banano, Psycho et Gloomy et Adran. Et croyez-moi, soyez franchement au rendez-vous, je vais un petit peu vous teaser, j'ai pu voir le... Tout simplement, eh bien, le sommaire, et je crois qu'on va pouvoir bien se fendre la poire parce qu'il va y avoir prise de bec. On va beaucoup parler de la NX, voilà, je vous ai un petit peu teasé. Bref, les amis, allez, on est parti, FF3S2, ici, voilà, merci, parfait, tout est ok, nickel, ouais, allez, on est parti, y a pas de souci. Allez, résumé des aventures de ce que nous avons fait lors de l'épisode dernier. Bonjour à toi, Coria, bienvenue sur le stream, comment vas-tu? Final Fantasy 13-2, the story so far. Chocobo Kalina! We can catch him! And here we go. Every one of them was unique! They all died. Now what? It's up to you to keep hope alive. Quoi vous me dites, quelqu'un lui dit pour le son? Je comprends pas. C'est un troll ou... Parce que là, pour moi, tout va bien, hein. Enfin, à vous de me dire. Bonjour à toi, Karwinski. Bienvenue sur le stream. Ok, et en plus, je vois qu'on n'a même pas changé d'onglet. C'est moi, hein, vous le savez. Comme d'hab. Hein. Ouais, non. Non. Tu restes comme ça, tu fais ça, voilà, merci. J'attends vos retours, s'il vous plaît, pour savoir tout est ok. Bonjour à toi, Mostarx. Bienvenue sur le stream. Comment vas-tu? T'es ok pour le son, je vois pas pourquoi il y aurait un souci, non? On est d'accord. Et oui, je me suis fail, parce que, eh bien, j'ai fait le résumé alors vous l'avez pas vu. Ok, les amis, allez, on est parti, de blabla, on a plein de choses à faire. Pas d'image. C'est fait, rassurez-vous, c'est fait. Le jeu XD? Ouais, c'est parce que j'avais pas changé la scène, c'est pour ça. Rassurez-vous, tout est ok. Rassurez-vous. Ok, bon. Donc on avait le choix dans les deux DLC, on avait montré un petit peu Colisée, mais... Carrément, on n'avait pas du tout. Bien sûr, comme vous le savez, eh bien, le niveau, on avait affronté Snow, on s'était fait défoncer. J'attends vos commentaires pour savoir si tout est ok au niveau du son, au niveau de l'image et tout ça, comme d'habitude. Et après, nous allons commencer par... Je vous avais demandé sur Twitter, je vous ai demandé si vous voulez faire Valhalla ou Fortuna. Et c'est tout bon. Ok, merci beaucoup à vous. Salut à toi, sorcière. Bienvenue sur le stream. Mais je préfère faire Valhalla avec vous parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe avec Lightning. Et après, on sera plus détente lors de cette deuxième partie de live et nous ferons Fortuna. Donc c'est parti, Valhalla. Both home and the future are slowly eroded. Caius plans to use the chaotic energy released upon the deaths of countless people to bring the flow of time to a grinding halt. As Sarah and Noel fight to save mankind, another battle is taking place on the distant shores of Valhalla. Bonjour à toi, Black Fanx. Bienvenue sur le stream. Désolé si j'écorce ton pseudo. Comment vas-tu? Pourquoi Adra n'a pas mis mon planning de la journée en bas? Il était bien. J'avoue qu'il était bien. J'avoue. Faudrait que je lui pose la question. Allez, let's go. Let's go. Donc on va retrouver Caius et Lightning, et j'ai vraiment hâte, les amis, j'ai vraiment hâte. Salut à toi, Waya, bienvenue sur le stream. Comment ça va? Allez, les chargements, allez.
The last thought left to me was a question. Would my endless prayer ever reach you? Sarah, can I ever make things right? Pointless. The time measured by Etro will cease to exist. All potential and possibilities will collapse. Time will end. The future will be. You'll have to kill me first! Un nouveau commencement, Lightning. Salut à toi, Supranophole, bienvenue sur le stream. What? What the... Sarah! Sarah? Sarah, snap out of it! No! Bien. Donc elle a vu la mort de sa sœur. It can't be. Sarah. Lightning is dead. I killed her with my own hands. J'ai l'impression, oui, Turbo Kekkat, c'est le DLC qui annonce Lightning Returns. Je suis d'accord. Mais tu déconnes encore là. Let's end this. I won't let you have her. Was this battle a dream? Or was it reality?
Would a victory here even help to set you free? I didn't know what would happen, and when the end finally came, I had none of the answers I needed, but I had no choice. All I could do was fight. Only one thing was certain. This was the war that would decide the future. Ok, et... Ah, c'est quoi ça? Souhaitez-vous les explications concernant les combats dans cet épisode? Yes. L'arme de sang, c'est très... Christique, ça? Dire quoi, Christique? Attends-moi de dire sorcière. Les rôles auxquels Lightning a accès sont les rôles avancés aux caractéristiques plus marquées que les rôles habituels. Cependant, elle ne dispose pas d'un rôle de soigneur et ne peut regagner des PV qu'au moyen d'objets. Ok. Vous commencez le combat avec un inventaire déterminé, alors utilisez vos objets judicieusement. Vous gagnerez des PC à la fin de chaque combat, que vous ayez ou non remporté la victoire. À mesure que vous accumulez des PC, le niveau de Lightning augmente, lui permettant non seulement d'améliorer sa caractéristique, mais aussi d'acquérir de nouveaux rôles et compétences. Ne vous laissez pas abattre par les combats difficiles, chaque tentative est un pas de plus vers de nouvelles possibilités. Vous pouvez abaisser le niveau de Lightning dans le menu principal afin de rendre les combats plus difficiles et tenter d'obtenir des scores de combat plus élevés. Oh, c'est différentes versions paillettes arc-en-ciel. Oui, je parle de Caïs. Ah. Anéantissez des ennemis puissants lorsque le niveau de votre personnage est bas afin d'obtenir le meilleur score. Ouais, c'est quoi ça? Chaman, mage, chaman. C'est quoi chaman? Ok, donc ça a l'air de faire le jeu de rageur mage. Mage, d'accord. Chevalier, c'est défenseur, donc chaman. Je peux rien faire. Pour l'instant, ça va. Je suis un peu surpris en fait là, je dois vous avouer, parce que c'est un système de combat à Lightning Returns. Attaquant démoniaque, moi je vais le mettre en choc. Hein. Son mage. Objet, potion, quoi. Big tir. Mais what? Oh là là, mais c'est quoi ce truc là? Ah, en paladin, donc attaquant, let's go. Je sais pas si j'ai la bonne tactique ou pas, mais... En tout cas, je peux utiliser que l'élixir pour me soigner. Hein. Ah, qu'est-ce que ça nous dit? Les combats vont être longs et difficiles. Hein. En tout cas, je suis très surpris. Hein. Pas le système des combats des anciens Final Fantasy. Bah je le découvre hein, moi, donc vous me pardonnerez si pour l'instant je suis pas... En tout cas je peux pas lui enlever ses buffs. Hein. J'ai pas le rôle de... Ok, on avait dit en mage. Très surpris, je m'attendais pas du tout à un truc comme ça en fait. Je vous cache pas hein. Ah, est-ce qu'il faut faire ça? Chaman, on passe en choc, après on passe en paladin. Je pense qu'on a plutôt la bonne tactique, qu'est-ce que vous en pensez, non? Allez! On utilisera les élixirs. Hein. Parce que les potions, ça redonne rien, genre moins 1000 de PV, donc... Je
tête défenseur quand tu fais ces attaques de fou là. Quand tu fais graviton, ça va, ça passe. Mais... Attends. Pourquoi il est passé, la jauge de choc est passée à zéro? Comment vous voulez que je fasse? Ah, faut peut-être là. D'accord. Vous voyez, c'est bon, je pense. D'accord. Il fallait stabiliser. What? Ah bah, j'ai vu après E2H. Ok, donc il faut que je commence avec attaquant pour stabiliser la jauge de choc. Et après je passe en mage ou chaman. Et après défenseur quand il claque des doigts. Le problème c'est que je ne savais pas. Je recommence où là? D'accord. Niveau augmenté, niveau 2. D'accord. Et... Ah ok. Donc caractéristiques. Comment j'augmente un peu mes choses? Niveau. Non. Comment je peux... Enfin, j'ai pas compris. D'accord. Ajuster le niveau de lightning. Ajuster le niveau de lightning, baissez-le pour rendre les combats plus difficiles. Baissez-le pour qu'on rende les combats plus difficiles. Ok, on va réessayer. On va voir. Je m'attendais certainement pas à une difficulté comme ça, hein, je vous le cache pas. C'est un peu bizarre. Allez, on commence par le rôle d'attaquant. Quand il claque des doigts, défenseur direct. Maintenant, en chaman. Salut à toi Sakurita, bienvenue sur le stream. Mais c'est quoi ce machin quoi? Non, c'est la canne élixir. Ok, chaman. Mais non mais... Ok, c'est bon, on encaisse bien. Chaman. C'est bon, je commence à comprendre un peu le système. Graviton, ça passe. Bon. Allez. Je lui placerai le combo foudroyant une fois qu'on sera en choc. Voilà. Et j'ai appuyé. Allez, cette fois, c'est parti. Ah, tu ne peux pas augmenter toi-même les caractéristiques. D'accord, très bien. Salut à toi, Simon. Bienvenue sur le stream. Comment vas-tu? Allez. En attaquant, on passe en chaman. Soigneur impur. D'accord. Allez. Donc quand il claque des doigts comme ça, tout de suite en défenseur. Tout de suite. Mais comment vous voulez que je lui enlève tous ces buffs? J'ai pas le rôle de stratège, je peux rien faire. Tiens. Mais comment?
comprends pas. Comment vous voulez que je lui enlève? J'ai pas accès à un autre rôle de saboteur, de rien. Je peux rien faire. Le combo le soigne. Ah bon? Et là, ça le soigne, là? C'est super chaud. En tout cas, permettez-moi de vous dire que c'est vachement dur. Hein. Ça sent mage. Attaque démoniaque. Ok. Allez, vas-y. Œil de Bahamut. Ok, passe en chaman. C'est bon, je commence à comprendre un peu le principe. Hein. Non. Ok, c'est bon. J'ai compris. Donc là, il passe en ravageur. D'accord. Bon, ça va, ça passe. En paladin maintenant. Allez, ça me soigne en même temps. Mais j'ai appuyé. What? Le combo qui le soigne est combo de synchronisation, d'accord. Pas de soucis. Alors je sais pas, ouais, est-ce qu'il faudrait pas augmenter la jauge de choc, même quand il en choque. Parce que là on lui met quand même pas mal. C'est que je peux pas me buffer, je peux rien faire. Ultima. Parfait. Je cliche chaman, hein. En deux chocs, ça va. Aïe. Il te suffit pas de mettre cheval. Faut utiliser la compétence, comment ça? Alors augmente plus possible de choc, le combo qui te soigne et le combo de synchronisation. Tu sais qu'il ne suffit pas de mettre chevalier, il faut utiliser les compétences. Bon. Et je pensais que moi en auto-attaque ça suffisait, non? Donc là, j'augmente de niveau alors, non? Comment ça se passe? Ok. Donc si j'augmente... Ah, tous les rôles sont accessibles. Oh, bah voilà! Eh bah dis donc... Alors, paladin c'est attaquant, chaman, mage, d'accord, ce sont ça, les ravageurs, chevalier défenseur et enchanteur. What the fuck, mais tellement quoi. Est-ce qu'il y aurait moyen que je vois consulter les rôles et les compétences? Donc attaque, ruine, catapultage, choc aérien, choc tardif, ok. Aéro impact, foudre. Immortalité et protection suprême. D'accord. Ok. Bah écoutez, je pense, de toute façon, comme on nous l'a dit, il fallait faire combat sur combat sur combat pour augmenter nos compétences. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Allez, je sais que ça va être difficile, mais on va recommencer. Protection suprême.
Bah oui, moi je veux bien ça. Parfait. Ok, là je vais être mieux déjà. Je vais mieux résister, je vais mieux résister. Me donne envie de jouer, rejouer à Lightning Returns. Alors, pour l'instant, j'ai le tacticien, selon moi, ça a l'air plutôt d'être pas mal. Oui, mais n'activez pas la touche. Mais bien sûr que si, j'active le touche attaque. Bien sûr que si. Ah, dissipation, il commence à faire son truc là. Allez, on augmente un peu les dégâts, enfin les pourcentages de... comme ça. Passe en paladin. Et cette fois on lui met ça. Allez, go. Alors j'aime bien le principe comme le fait qu'on est obligé de tenter plusieurs fois pour avoir un meilleur niveau en fait. C'est chaud hein. Ok, tu repasses en enchanteur, le temps qu'il puisse rien nous faire. Tu remets ça, tac tac tac. Tu repasses en paladin, paladin. On va à peu près je pense utiliser la jauge de choc pour la stabiliser. Attaquant démoniaque, tu passes en chaman. Plaque, une potion. Et on continue. Le problème que j'ai... Alors je sais qu'il faut que je passe en défenseur, hein. Mais... Magma. Non. Objet Elixir. J'ai appuyé. Prends ça, tiens. Mais comment ça, je l'activais pas? J'activais pas quoi? Je comprends pas. Allez, je pense une dernière attaque. Enchant chanteur. Hop. En paladin. En attaquant. Allez, on peut le battre, on peut le battre, on peut le battre. Faire une attaque de fou ou... Non, c'est bon. Revigorisation. Là, il se soigne. Non, mais... Œil de Bahamut. Oh la vache!
comprends rien. Et pourquoi j'ai plus... Attaque. Je comprends pas ton ce que vous me dites. Je suis désolé, je suis concentré sur le jeu aussi. La jauge qui redescend à zéro, super. Les grosses attaques quand il est attaquant des modèles. Allez, mage. Ça me saoulait, là, je dois vous avouer. Allez, vas-y, tue-moi, voilà, c'est bien. Tue-moi, 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 c'est très bien. Ah ouais? Il y a des petits drops a priori. Bon. Pourtant, tout va bien. Ah, non. Ok, ce que je vais faire, c'est peut-être que je vais mettre la 4G ici. Ouais, bah ouais, 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 ouais. Allez, suivant. Ok. Est-ce que tout est bon ou pas? D'accord, niveau augmenté, niveau 4. Ok, donc on gagne en PV, très bien. Ouais, je veux bien, pas de soucis, mais... C'est chaud. Ouais, Delitch fait quoi? Ok. Ce que je vais faire, je vais relancer le live. Je vous dis donc à tout de suite.